Donc on repart derrière les lignes, on va se réapprovisionner en munitions. Une fois que c'est fait, donc le cavalier, en l'occurrence, ne rentre pas directement au contact de l'ennemi. Il se contente de le harceler. Voilà, donc maintenant, pied dressé, et puis les rangs arrière, mettre les boucliers par-dessus. Donc on est capable d'encaisser comme ça un certain nombre de projectiles, des flèches, des javelots, des balles de fronde. Et une fois que c'est fait, ben, les Gaulois ne se sentent pas forcément en mesure d'affronter l'armée. Ah, il y a un petit peu de rab. Voilà, donc les Gaulois refusent l'engagement et c'est ainsi que se termine cette petite démonstration de cavalerie. Personne n'ordonne à gagner. Je vais partir, voilà. Ça commence bien. Bienvenue à Alésia. Vous allez assister à une évocation de bataille de la guerre des Gaules. Les combattants légers dans l'armée gauloise, comme vous pouvez le constater, sont sans armure, éventuellement avec un casque, mais c'est loin d'être obligatoire. Leur rôle sur le champ de bataille va être essentiellement de jeter des javelines sur l'ennemi, jeter des balles de fronde, éventuellement être équipé d'arc et avoir ce genre de rôle un petit peu annexe pour... C'est des gens à tout faire finalement, hein. Voilà, ils vont juste filer un coup de main au gros. Et vous allez voir que maintenant qu'ils sont passés, ils vont se mettre en position défensive et on va avoir une première tête de pont gauloise qui va s'avancer pour essayer de passer les fossés et ça va être un peu compliqué pour eux. Donc cette nouvelle tête de pont gauloise, vous le voyez, elle est équipée différemment puisqu'on a un chef à l'avant qui est équipé un peu lourdement avec un casque, une cotte de maille et ses boucliers, lances qui vont leur servir à faire des formations. Et vous voyez qu'en face, les Romains ont décidé de ne pas les laisser faire, évidemment, et vont commencer très rapidement avec les Limitis, les Germains, à prendre position pour contre-attaquer immédiatement. Donc là, vous voyez que les premiers à passer aident les suivants pendant que le reste de l'armée s'approche. Et l'enjeu ici pour les Gaulois est d'arriver à créer une tête de pont défensive en passant les fossés, s'opposer aux Germains et aux Romains qui arrivent très très vite de manière à ce que la colonne générale puisse passer. Et là, vous voyez que c'est compliqué parce que les fossés, c'est pas facile. On a ici des fossés qui font au moins 3 mètres avec de la vase et de l'eau au fond. Et je vous laisse deviner en équipement lourd, avec la cotte de maille, avec le bouclier, avec les casques, à quel point c'est compliqué de passer. Mais nos amis gaulois ici ne reculent devant rien. Et là, vous voyez que le reste de l'armée essaye de passer. Compliqué pour ceux en cotte de maille. Les plus légers aident les plus lourds. Et vont essayer de créer en face une ligne défensive afin de s'opposer aux Romains et aux Germains qui, eux, sont bien reposés, bien dans l'attente. Ils n'ont pas eu besoin de traverser les fossés. Donc évidemment, le combat est, on va pas dire inégal, mais on sait pourquoi les Romains ont gagné. Faut pas leur dire. Donc là, vous voyez qu'on a deux unités romaines, une qui est restée en arrière, en renfort, et la première qui va s'affronter avec les Gaulois en face, qui ont quasiment tous passé les fossés maintenant, et les Germains qui continuent de harceler les colonnes gauloises de manière à leur éviter de faire leur formation. Et là, évidemment, les Gaulois sont dans une situation extrêmement compliquée puisqu'ils sont dos au fossé
Ce qui veut dire qu'ils ne tentent pas, mais vous pouvez les applaudir quand même. Hein. Pour les encourager, parce que là, c'est pas facile. Donc évidemment, le champ de bataille est en train de se solidifier un peu. Parce que personne ne veut lâcher du terrain, personne ne recule. On a déjà quelques morts. Et on voit la deuxième unité romaine qui va enfoncer les lignes gauloises pendant que la première se repose. C'est une manœuvre en escalier. Les Gaulois ont de très grandes formations. Et donc évidemment, les Romains ne sont pas obligés de tous les combattre à la fois. Et ça leur permet comme ça de garder des troupes fraîches assez régulièrement, des troupes qui se renouvellent au combat. Alors que les Gaulois, eux, n'ont que le choix de mourir, ce qui est un peu dommage. Ou de gagner, mais bon, on a déjà vu que c'était pas le jour pour gagner, pas compliqué. Donc là, c'est compliqué, parce que vous voyez, les Gaulois sont passés. Pour autant, ils n'arrivent pas à poursuivre. Les Romains sont trop forts, ils vont créer d'ailleurs une grande unité avec un changement entre les deux fronts pour pouvoir désorganiser la colonne gauloise. Parce qu'à partir du moment où les Gaulois sont désorganisés, ils vont devoir fuir. Mais pour l'instant, ils tiennent bon. Et on a des duels de troupes légères qui sont en train de se créer entre les troupes légères gauloises et germaines là-bas, sur la gauche. Les Gaulois essayent de profiter de l'avantage du premier fossé. C'est malin de leur part. Et personne n'arrive à prendre l'avantage pour le moment. Les Romains tentent des manœuvres, visiblement. Ce qui semble fonctionnel, puisque les Gaulois ont été scindés en deux unités différentes. Ce qui va leur poser quelques problèmes, parce qu'évidemment, s'ils ne sont pas avec leur chef, ils n'ont personne pour les commander, ils n'ont personne pour les payer. Donc ils risquent très rapidement de se débander. Et toujours ces combattants légers qui essayent de faire la différence en faisant relâcher la pression sur les combattants lourds. Mais visiblement, c'est pas facile. On commence à avoir des Gaulois qui tombent dans les fossés, qui sont repoussés dans les fossés. Et la situation semble bien compliquée pour nos amis gaulois ici. Ça se provoque un peu. À droite. Ça fait du bruit. Les Romains à droite sont acculés contre le mur. Ça a l'air plus compliqué à droite qu'à gauche pour les Romains quand même. Hein. On va voir si les Germains et les Romains du côté gauche vont se réorganiser pour aller au secours de leurs camarades de droite qui sont un peu coincés. On voit des messagers qui passent d'ailleurs entre les deux unités à l'arrière. Ça a l'air compliqué. Ça a l'air compliqué pour les Romains. Heureusement qu'ils ont les auxiliaires germains. Certains affirment d'ailleurs que la guerre des Gaules n'a été gagnée par les Romains que grâce aux Germains. Et on voit ici que ça fait vraiment la différence. Les Germains arrivent très rapidement à combler les failles, à repousser les assauts des combattants légers et à mettre en difficulté les combattants lourds. Pour le moment, les lignes tiennent et on dirait que les Gaulois ont repris un peu de terrain. On a l'attaque de Germain sur la gauche là-bas qui va essayer une attaque de flanc sur les Gaulois et mettre en difficulté l'unité qui pourtant juste avant réussissait à repousser les Romains. Et ils vont devoir reculer jusque dans les fossés. Ils sont en difficulté, ça va être très compliqué pour eux là. De l'autre côté, c'est l'inverse qui se produit. On a les Germains mis en difficulté par un fort parti de Gaulois qui a l'air assez énervé, mais l'issue du combat est assez incertaine pour le moment. Et au centre, vous avez une unité romaine qui tient bon face aux Gaulois. Et personne n'arrive à prendre l'avantage jusqu'à ce que nouvelle unité romaine arrive dans le combat. Et là, c'est compliqué pour les Gaulois qui semblent perdre de plus en plus de combattants. Et là où les Romains peuvent combattre ici, qui vont tâcher de refaire une ligne défensive. Mais il semblerait que la partie soit déjà perdue, malheureusement pour eux. Les derniers combattants qui tentent de passer les fossés, poursuivis par certains Germains, qui visiblement ont été téméraires, mais pas trop. Et les Gaulois ici qui profitent du repli de la cavalerie romaine pour s'enfuir à toutes jambes sous les cris des Germains, qui évidemment se moquent un petit peu. C'était une belle tentative, mais malheureusement, ce ne sera pas encore pour cette fois. Et vous pouvez les applaudir parce que c'est pas facile.
évidemment. Dans lequel les cavaliers s'engouffrent. Et les cavaliers ne vont pas forcément directement au contact. Ça, c'est un autre type d'armement et de mission de la cavalerie, c'est d'harceler l'ennemi. Donc, on ne vient pas lui rentrer dedans, déjà parce que c'est très dangereux, parce que le cheval, une fois qu'il est blessé, le cavalier tombe, et puis voilà. Donc, on s'approche à une distance respectable et on lui balance des javelines. Donc, c'est ces projectiles. Alors ici, évidemment, ils sont non dangereux. Ils sont bluntés, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire avec un embout en mousse qui évite des blessures. Enfin bon, on s'en prend un dans l'œil, ça fait quand même du bien. Et du coup, les cavaliers ont souvent plusieurs de ces javelines dans un carquois, un grand carquois en cuir qui est pendu à une des cornes de la selle. Et voilà, ils vont faire plusieurs assauts comme ça, ils vont se lancer sur l'ennemi pour le harceler. Une javeline peut frapper un bouclier, handicaper un ennemi, le blesser, le tuer, donc c'est déjà ça de gagné. Voilà. Et puis surtout, on le retarde. Voilà. Allez, tant qu'on a des javelines, on retourne. On comprend l'intérêt du bouclier. Hein. Le bouclier dans l'Antiquité, dans la panoplie du guerrier antique, c'est la pièce la plus importante, plus que les armes offensives. C'est le bouclier qui compte. Allez, on ouvre des grands espaces, mais c'est toujours mieux, c'est plus prudent. Les Gaulois avancent, les Romains aussi. Les Gaulois ont gagné beaucoup de projectiles tombés au sol. Donc les Romains se mettent en tortue pour résister justement à la volée de javelines. Vous voyez, c'est pas la tortue qui avance, hein, comme on a l'habitude de voir. Celle-ci, elle est fixe, elle est déployée sur le champ de bataille. Premier rang, genoux à terre, bouclier devant. Les rangs arrière, on peut imaginer qu'ils sont plus nombreux encore. Donc on peut avoir comme les tuiles d'un toit ou qui forment une carapace, d'où le nom de tortue. Les cavaliers, ils s'en vont. Bon, les Romains, ils sont que deux quand même. Alors non, là, c'est en fait, on en profite pour vous montrer une tactique de guerre des Romains, c'est de former un cercle. Alors évidemment, contre deux ennemis, ça fait un petit peu bizarre. Mais ils sont cerclés par deux personnes. Bon. Ah non, mais c'est de la... Oh ! Et les scénarios, messieurs ? Ouais, ben bon. Bon, bref, je vais y arriver. L'idée, c'est de vous montrer effectivement un cercle. Hein, c'est ce qu'on appelle l'orbème en latin. Donc l'infanterie romaine de Jules César. Et puis à nos amis. Voilà. Merci. La suite de nos aventures dans quelques temps.